parler aujourd'hui d'un break un peu style gospel shops, toujours le même truc, avec une coordination en faisant des blocs de notes, des groupes de notes entre d'abord la caisse claire et la grosse caisse, et on va faire intervenir la grosse caisse dans le break. Alors, je mets un casque pour bien m'entendre, parce que je m'entends pas très bien. Voilà. Là, ça marche. Donc, le principe, en fait, c'est de faire 16 notes dans un break. Et au lieu de faire... On va essayer de faire autre chose, un truc plus sympa. Genre... C'est un peu plus original. Ce qui fait que ça fait ça, lentement. Du coup, il y a toujours 16 notes dans le break. Il y a 16 notes, mais elles sont réparties autrement. Et on peut les répartir aussi comme ça. Par exemple, en faisant rentrer les tomes. On peut improviser des trucs comme ça pour distribuer sur le set de batterie pour faire un truc rigolo, sympa. Ça, c'est le but, le premier plan où on ne fait intervenir qu'un seul coup de grosse caisse. OK ? Et pour me rappeler, parce que le but, c'est de se rappeler de ce break, parce que faire des trucs un peu comme ça, c'est tout ce qui est compliqué, c'est de d'abord savoir comment on va le construire. Il faut 16 notes. Du coup, ce premier break que je vous montre, il est simple parce qu'on peut le retenir facilement. Il y a deux coups de caisse claire, un coup de grosse caisse, fois 2. Et après, il y a 3 coups de caisse claire, un coup de grosse caisse, fois 2. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, il manque 2 coups. Droite, gauche, 15 et 16, on a nos 16 notes et on repart sur le premier temps. Voilà, simple. Et mémo technique, mémo chiffrique, mémo numérique. T'as compris? Donc 2, 2, 3, 3, et on finit 2. Voilà, facile. Voilà, j'espère que vous avez suivi. Après, si vous le bossez correctement, vous pourrez le faire plus vite. Et ce sera encore plus éblouissant, stupéfiant, éclaboussant. Allez, salut. Abonne-toi à la chaîne. Ciao. Bye.